Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique. Nous sommes toujours évidemment sur Outlast 2 et nous prenons toujours un maximum de fun. Nous en sommes à l'épisode 5, j'ai quand même envie de continuer le jeu histoire de voir un petit peu ce qui nous attend. Mais je vous avoue que il y a une répétitivité qui s'est installée là où Resident Evil 4 ne le fait pas. Alors attention hein. Attention parce que j'ai vu des mecs, ils se prennent pour des hardcore gamers avoir fini à Outlast 2 sous prétexte que tu peux pas te défendre. Moi je trouve ça un petit peu ridicule dans un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo voilà, où tu subis, où t'en prends toujours plein la gueule. Mais bon c'est pas grave, on va continuer parce que j'ai aussi envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Même si je vous avoue que les screamers c'est ce que je déteste le plus. D'accord, donc là il y a la mine. Babylone. Brûle, brûle, Babylone, brûle. Ok. Ok, ok, ça veut dire que la mine est tout là-haut, donc est-ce que je peux la filmer? Malheureusement, non. La mine a l'air gigantesque. Ça présage évidemment un maximum de plaisir et de fun à l'avenir. Très bien, c'est pas grave, écoutez, on continue. Donc, direction la mine. Quoi? Mais c'est une blague! C'est une blague ou quoi? Putain, les gars, sérieux! J'ai pris un dégât sur un cactus, quoi, frère! Même ça, c'est gratuit. Même les cactus, la végétation est gratuite. Oh là, on a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ma chère... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ma chère Manta? 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 Ok. Mantalo? Ah! Qu'est-ce qu'on rigole? Ok, j'ai pas... Quand j'arrive pas à lire le troisième mot, vaut mieux même pas continuer de lire, hein, ça sert à rien. C'est que tu sais déjà que ça fait chier. Alors là, c'est très sympa, l'entrée de la mine. Hein. Ils adorent les croix, ici, hein, évidemment. Ok. D'accord, c'est bizarre, parce que on peut pas ouvrir la porte. Par ici, ok, je suppose, d'accord. Ah! Wow, attends. C'était avant que je la trouve pendue. Ok, on enregistre. Réveille-toi, réveille-toi. Ok, t'es toujours là. Ok, c'est chiant. C'est chiant, je déteste. Ici, les phases dans l'école incarnent l'impuissance même. Oh non. Je peux pas ouvrir le reste, les gars, s'il vous plaît. Oh, je peux aller un petit peu partout, ça fait plaisir. Quoi? Oh putain, c'est horrible. Là, on a quelque chose. Et je peux aller là-haut aussi. C'est peut-être les mêmes couloirs. Ok. Ah! Oh non. Oh non. Ok, y a rien à faire. Ok. Oh putain, mais alors là par contre c'est gigantesque tout ce qu'on peut faire ici. Putain, je prends un maximum de plaisir déjà. Ok, on a quelque chose. Putain! Il y avait une ombre. Ok, et il y a mon ombre aussi d'ailleurs. Ok, il y a quelque chose ici. Attends, il y avait quelque chose là qui passait à travers cette porte. Ah! Oh putain! Oh, ok, interagir. Attendez, je suppose qu'il faut mettre ça là-bas. Ok. Vous avez besoin d'un transparent. D'accord. Ah, c'est horrible, ces ombres qui passent là. Je suppose par ici, non? Là, on est déjà derrière la porte. Oh là là, il se passe des trucs. Putain, il y a des choses qui passent partout. Attends, c'est quoi ça? C'est une poubelle. On sait jamais, je préfère faire attention. Ok, il manque un transparent. À la recherche du transparent mystérieux. Eh, les gars, les portes, elles se referment pas, ok? Faites pas les cons. Ah oui, c'est vrai que je suis pas allé là-haut. Ok. Ok, on a quelque chose. D'accord, est-ce que je peux aller de l'autre côté? Ce que j'allais dire, c'est juste gigantesque en fait. Je déteste ces trucs qui passent comme ça là, les esprits, c'est terrible. Ok, on a quelque chose. Ah. Hein? Très bizarre. Le jeu du pendu. Comme Lynn et Jess aimaient jouer. L'autre moitié doit être quelque part. Jessica aurait laissé un pendu. Que Lynn pourrait trouver. Ok.
D'accord, donc là on va retourner au... Faut retourner au rétroprojecteur, c'est ça? J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Putain, ce jeu est terrible. Ok, on continue. C'était par ici déjà? Je sais plus du tout où c'était. On y va. Je vous le dis les gars, je vais fermer les yeux très souvent je pense. Non, c'était pas par ici, c'était un petit peu plus loin je crois. C'était la porte suivante et c'était sur la droite. C'était là. Ok. Je suis pas bien. Ah bah j'ai la bouche pâteuse, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ok, et ensuite? Ah, faut peut-être que je mette le transparent, non? Oui, forcément! Mais oui, c'est clair! Ok. Il va pile poil dessus, hein. Oui, oui, oui. Ah bah les gars, je préfère mettre en place avant. Ouais. Ça doit être ça. Impardonnable. Unforgivable. Ok. Et je vais où, là? Je vais là? Non, c'était bloqué. Bah, pourquoi on... Ça mène à quoi? Impardonnable. Je peux filmer? Non. Oh, ça veut dire qu'il est pas loin? Oh, je vais manquer de batterie, là. Ok, ici, d'accord, il n'y a plus rien. Je vais manquer de batterie, là. Je la change direct. On ne sait jamais. Je trace. Ok. Mais je vais où, là? Quoi? Ah, il y a une porte qui est apparue! Putain, c'est quoi ça? Attendez, si je zoome. Ok, exit. Bon bah, excitons, excitons. Oh putain. Oh, c'est terrible, je cours. Je cours, je cours, je cours, je regarde pas. Ah! J'ai regardé! Ah! J'ai regardé encore! Je fais quoi là? Ah! Oh putain! Mais stop! C'est chiant là! Ok. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Arrêtez! Oh putain. Ah! Je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir. Je sais pas quoi faire. Je fais que des allers-retours. Putain, c'est horrible. Là aussi. C'est... Ah! Putain! Vous êtes des baisers, les gars! Oh putain, sérieux! T'as pris du plaisir là, peut-être? Ok. Quelque chose qui est tombé. Oh là là, mais c'est que ça! T'avances, tu prends des patates de la vie, enfin de la vie et de ce qui leur ressemble là. Vaut mieux fermer la porte à côté, hein, c'est toujours mieux. Ok, putain. Les gars, c'est terrible, on est à combien là? On est même pas à 10 minutes de record, je commence déjà à voir flou. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais pas longtemps, c'est moi qui vous le dis, les gars. Ok, attendez, faut bien que je le mette là, c'est ça? Faut bien que je le mette là. Allez. Oh putain. Ok. C'est bon là? Ok, ça a l'air d'être bon. Attends, ça va, je vais pas me faire enculer toute ma vie non plus. Ok. On est reparti. Je suis revenu ici. C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est chiant, hein, je suis d'accord avec toi là. J'étais déjà ici. Je suis d'accord avec toi. Oui! Y'a mis tes coups d'assai! Arrête la yon! Ah, très bien! J'aime bien par contre cette transition. Je trouve ça super bien fait. D'accord. Ok, je peux me lever? Non, je ne peux pas me lever encore. Bon, je sais pas où je suis encore. C'est terrible. Hein. Terrible cette vie. Hein. On m'a dit que je consommais pas de batterie. Quoi? J'enregistre quoi là? Si je retirais la. Si je mettais pas la vision nocturne. Donc normalement. Je... Mais qu'est-ce que j'ai, record? Qu'est-ce que c'est que j'ai? On peut voir ou pas? Oh! Jouer. Les mines, ce chemin va aux mines. Là où les autres ont conduit Lynn. D'accord. Ah putain, c'est sympa! Qu'est-ce que c'est ça? Vous entendez? C'était mes précédents records ou c'était du pifomètre? Ça par exemple? De la viande accrochée à sécher. Des crochets. Ah, c'est tous mes records! Putain, y'a même mes zooms qui sont pris en compte, trop bien! Bah alors, ça veut dire que
Ça, c'était ce qu'on avait trouvé avec le mot que j'arrivais pas à lire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous entendez? On dirait qu'on peut pas filmer le passé. Ça, c'était le mur où il y avait le pendu. Mais vous entendez ce qu'il y avait écrit? Tiens, mon robot. Ils font toujours de torture porn. Du mal aux femmes pour punir les hommes. Ok. D'accord. Donc, à l'avenir, j'essaierai de regarder un peu plus mes records. Enfin, en tout cas, s'il y a un avenir sur ce jeu, évidemment. Quel âge je glisse. D'accord. Alors là, il y a un passage de mur. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire, hein, évidemment. Le genre de pont où tu te casses la gueule. Je ne comprends pas. Ok, on va passer par ici. C'est qui souffre en bas, là? Qui souffre? Les gars, il y a quelqu'un en bas? Ouais. Ok, non, il y a personne. D'accord. Bon, bah écoutez, on continue. J'entends quelqu'un souffrir. J'aime pas les gens qui souffrent. C'est chiant. Faut pas souffrir dans la vie. La vie est trop courte. Oh, merde. Ok, c'est pas trop loin. C'est pas si mal. Comment ça, c'est pas si mal? Genre là, t'es heureux, là, tu prends un maximum de plaisir. En plus, oh là là, non mais sérieux. Moi, je m'allongerais si ça devait se faire, évidemment. Et que j'avais pas le choix d'aller dans une mine abandonnée. À très bien. Quoi? J'allais juste aller tout droit? C'est prévu dans le jeu ou pas? Mais c'est quoi ces conneries? Je me suis fait arnaquer. Ok. Oh, merde. Donc je disais, pour éviter ça, donc éviter de tomber, n'est-ce pas? Moi, honnêtement, je m'allongerais sur les planches de bois à traverser et je glisserai en m'allongeant. Et faites pas les gars, vous connaissez ça. C'est quoi là qui vient sur moi? Une sorte de libellule. D'accord, c'est très bizarre. En fait, j'étais tombé, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, un baricorde. Une nuée de je ne sais quoi. Vas-y, on va regarder là par exemple. Je sais pas combien j'en ai dans ma bouche. N'arrêtez pas de me démanger. Ils essayent de me soulever. Ah oui, bah c'est bon. Mec, ça va, gros, je sais bien qu'on est une victime dans le jeu, mais se faire soulever par trois moustiques, c'est bon aussi, hein. Ah, ok. Merde! Là, c'est ça. Là, on va tomber. Ah, chute. Attention! C'est une ombre dans la ciel. Je n'en suis pas sûr. Je l'aime que l'on faut. Je suis désolé, monseigneur. Je suis désolé. Oui. Désolé. Sa souffrance est complète. Les paroles de Nott sont vraies, et nous vivons une époque déterminante. Attends, c'est moi, il y avait deux hommes en un, là, non? Ils se sont emboîtés comme des Legos. Ok, on va descendre. D'accord. Ok, on a un bandage, c'est un petit peu rassurant, j'ai envie de vous dire. Ah non, c'est ma caméra, pardon. J'ai retrouvé ma cam, impeccable. On dirait que je vais faire le tour. Je peux encore trouver le chemin qui mène à la mine. Ok, je peux me cacher là. D'accord. Donc je peux retrouver le chemin qui mène à la mine. Il est passé par où l'autre? Ok, donc c'est par là, je suppose. Ok, c'est donc une rivière que nous avons là. Il y a quelqu'un qui joue du violon, mais pas très bien, en fond. Je peux pas sauter par-dessus. Obligé de ramper, genre sérieusement. Ok, on joue le jeu, les gars. On joue le jeu, c'est pour le spectacle. Ok.
traverse ici pour prendre un maximum de plaisir. C'est fait. Toujours le même mec qui souffre. Ok. Cette larve, oh là là, putain, mais écrivez bien, putain, a pris ses bénédictions pour une maladie qui a essayé de... Ok, tu m'as saoulé, allez. Où se passe? Je vous ai dit que j'étais pas venu ici pour lire, ok? Ok, donc c'est par ici. Cette fois, on évite de se coller, s'il vous plaît. Donc je suppose qu'ils sont à ma recherche, hein, parce qu'il a parlé d'ombre tombée du ciel. J'aime bien les petits coups de violon comme ça, mal joué, ça fait toujours plaisir. Comme quoi les gars, on peut pas s'improviser violoniste. C'est ce que ma grand-mère disait toujours. Je suis en sueur. Ok. Ok. Donc il y a un mec qui rampait qui est passé, on va rentrer dans la souche d'arbre. Appelle-moi Alain Souchon. Oh putain, c'est nul. Ah, c'était nul, mais les gars, c'est des blagues qui rentrent dans le tempo, hein. Vas-y, j'avance sans rien. Ah! Ok, sauvegarde. Plutôt une bonne nouvelle. Ok, là on peut jouer sans caméra. Oui, il y a quelque chose. Merde! Ah, je peux enregistrer. Mais il doit bien y avoir un autre chemin. Alors, sickness, malade. Maladie. Ok, donc là je peux regarder. Ils sont tous malades ici. Que Dieu les bénisse. Ces gens pourrissaient avant qu'ils soient assassinés. D'accord. Donc. Malade ici, très bien. Oh putain, j'ai cru que c'était un mec là. Oh, damn. Attends, on va où là? On va dans les profondeurs de... Ah. Oh putain. C'est rien. Quitte à recevoir 2-3 blessures gratuites encore. C'est moi qui régale. Alors les gars, j'ai vu un commentaire, il y en a qui disent mais Mr. B-Boy, comment il fait pour avancer alors que nous on voit rien? Bah je vois rien non plus, hein. Là j'avance, là c'est le truc... C'est ça là qui m'indique que c'est par là. Ok, c'est enregistré. Je gâche pas plus de batterie. Ah, on voit beaucoup mieux, non? Ok, on va passer par ici. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? Monsieur, vous allez bien? Il est en train de chier dans l'eau là, non? Monsieur? Ah, mais il est vraiment en train de chier! Vas-y, évacue! Évacue! C'est bien. T'as fait un bon caca? Ok, il a fait un bon caca. Écoute, je peux te donner 2-3 effets ralgans. Je peux pas passer là. Ah putain, dégueulasse. Il est vivant. Non, il doit être mort, j'entends des mouches autour. Attendez, non, je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il est vivant. Il descendra sur un nuage de sauterelles. J'ai peur. Pour me guérir de nos mains. Ok. Ok, c'est bon. Oh putain. Attendez, dans cette histoire, je ramasse la pile déjà. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je peux repasser par ici. Là, je ne peux pas ouvrir. Ça a servi à rien. Que je m'enferme ici, très bien. Ok, déverrouillé. Putain, salope! Putain! Oh, mais elle est ouf! Elle m'a fait tellement peur!
Pourquoi elle s'est relevée? Comment elle a su? Lui, il va encore chier un cake, putain. Ok, on continue. C'est quoi ce délire de ouf? Tu m'as pas vu, hein? Vas-y, fais ton caca, frérot. Voilà. Ok, oh putain, il s'arrache le trou de balle, le mec. Je vous cache pas que... il a passé une sacrée soirée, hein. Ouais, mais c'est ça... Oh là là! Oh putain! Attends, il y a lui là. Ok, c'est un village. Ah! Et tout le monde est malade! Attends, il y a des malades aussi là? Non. Ok, on a quelque chose. Oh là là! Quoi? Oh, il y a quelqu'un là. Ah! Salope! Et voilà, tu peux rien faire. Oh, putain! Voilà, hop, le temps de mourir, impeccable. Et c'est la mort. Ah, t'es pas beau. T'es pas beau. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une maladie que je ne connais pas, hein. On dirait un lupus, mais je suis pas sûr. Mettez-lui 3 mg dans ses félamines et on va pouvoir taper le dossier. Ah ouais, mais là... Il me regarde, là, hein. Vas-y, démonte ton cake. Mais en fait, t'es une femme. Ouais, vas-y. Vas-y, lâche tout dans l'eau. Ok, on est reparti. Bon, vous l'aurez compris, il faut toujours courir, se raccrocher à la vie, avoir le trou de balle qui fait du bruit. Ici, je suis jamais passé. Yo les sauces. Bon, je suis jamais passé par là. Ah, d'accord, j'ai cru qu'elle voulait pas monter. Ok, bon, écoutez, on essaye des chemins. On essaye des chemins, d'accord, je sais pas pourquoi. Ah, d'accord, c'était pour ça, en plus. Vraiment, vraiment... Max de fun. Ok. On essaye de se casser assez rapidement. Je ne peux plus passer. Voilà, j'ai dû aller sous l'eau. Sinon, je ne pouvais pas passer. Ah! C'était gratuit! Je me casse. Et je cours! Je me raccroche à la vie. J'ai trop de balles qui fait du bruit. Quoi? Mais je vais où? Ah putain. Ok. Et ensuite? Et ensuite? Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Ah. Ok. Est-ce que je peux me soigner? Putain, je peux me soigner sur la bordure, c'est incroyable. Là, c'est l'épisode où on prend le plus cher, hein. Très clairement, c'est celui où, où j'ai le plus flippé. Ok, c'est par ici. Ah! Oh là là, mais sérieux! J'aime pas les tournures que ça prend. Toujours, putain, mais... Quelle idée d'être aveugle aussi. Ok... J'aurais peut-être même pas dû me soigner. Je peux encore trouver le chemin qui mène à la mine. Y'a moyen que j'ai encore enculé un bandage, non? Dieu, oh putain, j'hallucine! Nous avons trouvé le Christ galeux! Four! Putain! Je sais même pas c'est quoi qui me bloque. Ok. Il va me trouver du premier coup, pas? Yo, mon frère. Mais toi, t'es le meilleur joueur du monde, toi, non?
Jolie putain. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh putain! Casse-toi! Mais ils me remettent à l'envers! Je sais pas où je vais. Je sais pas du tout où je vais. Non. Je suis mort. Je suis mort, putain de jeu de merde! Je vais me cacher dans la souche. À la souche. Ouais, mais sérieux! Vous mettez des portes fermées! Ce jeu n'est qu'un die and retry! Tout simplement, bah oui, bah oui, merci! Allez, vomis sur mes followers! Vas-y, sur mes viewers, skiff ta vie! Ah, c'est bon, je suis mort, stop, arrêtez! T'as même tué, je crois, un gars. Parce que tu t'es foiré dans ton coup. Putain! Un die and retry! Voilà, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire! Oui, bah oui. Game, jette un truc dans l'œil, tout va bien. C'est bon, stop. Les musiques et tout, les mecs. C'est chiant. C'est très très chiant. On va attendre que j'en te fasse. Bon, de toute évidence, à gauche, c'était fermé, hein, vous l'aurez compris, la maison. Allez, je retrace. Il y a encore Jean-Claude. Et oui! Évidemment! Mais où on va dans le jeu? Où allons-nous? Au pays merveilleux! Voilà, c'est fermé, toujours fermé, évidemment. Voilà, je ne sais pas du tout, allez, je comprends. Je comprends pas, j'ai l'impression dans le jeu, t'as l'impression d'être un peu canon. Voilà. Je sais pas où aller. Maximum de plaisir! Ok. On est reparti. On va se cacher ici. C'est bon. Ok. On attend que Jean-Claude passe. Faut passer, monsieur. Ok. On va passer par ici encore une fois, ça me paraît pas mal. Je vois pas du tout par où passer, bah, on va y retourner, on n'a pas trop le choix de toute façon. C'est par ici. Quoi? Casse-toi! Non! Oh là là! Et il te remet en arrière, tu comprends rien, c'est pas où t'habites. C'est par où? C'est par ici toujours. C'est... Ah! D'accord! Oh là là! Attends, mais je suis. Quoi? Ok. Et bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les gars. J'ai assez mangé pour cet épisode. Très sympa. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire qui fait extrêmement plaisir. Et si vous aussi, vous avez pris un maximum de fun et de plaisir, eh ben, encouragez-moi à continuer. On va continuer parce que, bon, là, c'est la phase en école et les phases en école sont juste horribles. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.